Salam l'ahbab moksaib ma'akoum, j'espère que vous allez bien. Alors la première question c'est qu'est-ce que ça fait qu'il a fait le ghorba 100 millions de vues sur YouTube? C'est incroyable, je suis très très content. Farhat bzaf et farhat le fait que ça montre les fans, les encouragements, ils sont là et I love the fans so much. Aussi ça montre que le واحد qui يخدم تلحق مع الوقت مع الوقت تلحق, il faut juste travailler dur. Donc voilà, je suis très très content pour le résultat هذا ou inchallah il y aura plus. I don't know what I did that, but yeah, let's carry on to the second question. Comment t'es venu l'idée de ce hit? Le titre, il dit tout. Je veux dire, le ghorba, c'est un truc qui est tout. Ou comme les gens, peut-être, il y a plein de gens qui ne savent pas. Même les gens qui travaillent avec moi, ils ont fait. Donc, j'ai toujours voulu écrire quelque chose sur le ghorba. Et c'était le moment où voilà, je l'ai écrit et j'ai aimé les gens. Le ghorba, c'est dur, voilà. Le clip a été tourné dans les studios de Beurre FM. Quel souvenir tu gardes du tournage? Oh my god, avec le jour Adak Ahibkahana dans la tête. Franchement, déjà le fait que ma femme, elle était à côté de moi au tournage, c'était magnifique déjà. Et le fait que la team Kamel Kentema, Jahid, Shimsou, Mizian, et plein de gens déjà. Et voilà, c'était une ambiance vraiment. Donc du coup, la suite maintenant, qu'est-ce que tu prépares? Je prépare plein de trucs, vu que la situation avec le Covid et tout, on a dû adapter la situation. Mais quand le titre à 100 millions de l'Ghorba, ce qui est Baby, un truc différent. Et voilà, j'ai hâte de voir le clip. It's gonna be sick. Un petit message aux auditeurs de Beurre FM. Merci, mille merci. Elle a les encouragements, elle a the support, everything. Je vous aime, restez branchés. Ahikoun Jdid, plein de Jdid. Love you. Peace.